Hey, salut tout le monde, bienvenue sur Crash Bandicoot. Aujourd'hui est un grand jour, j'ai fini le jeu. Ouais, ça y est, c'est fini et vous avez rien vu parce que le cher a pas marché. Je suis un peu dégoûtée. Voilà. Alors il faut savoir que le niveau The Lab et le niveau donc final, en fin de compte le boss de fin, Néocortex, m'ont donné pas mal de vie d'Arthur. Et je les ai fait un paquet de fois. D'ailleurs, je vous avais pas diffusé ça parce que j'ai beaucoup ragé, j'étais fatiguée, j'étais pas bien, donc je me suis dit ça pas la peine. Autant le refaire une autre fois, bien reposé, plus mieux. Donc, ça s'est passé comme ça une première fois. La deuxième fois, qui date d'il y a 5 minutes, tout s'est très bien passé. J'ai passé The Lab, donc que j'avais déjà passé la fois où je rageais. Le grand hall, on verra ensemble en quoi ça ne m'a pas posé problème. Et j'ai battu le docteur Néocortex qui, la fois précédente, m'avait résisté. Ensuite, on a eu la petite cinématique de fin et je vous ai fait un petit speech de fin que je vous referai donc. Et après, il y a eu le générique de fin. Et quand j'ai fait le bouton share pour enregistrer le clip vidéo, ça n'a pas fonctionné. Je me demande si c'est pas le générique de fin qui l'a bloqué en fait. Donc ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que ben, je vais recommencer, hein, forcément. J'ai oublié le timer. Voilà. Donc je vais recommencer. Et par contre, ben, je vous laisserai pas le générique. Je ferai peut-être pause. Je vous ferai mon speech pendant la pause. C'est un peu dommage, mais ça m'ennuierait de recommencer encore, encore et encore. Pour des bêtises dans le genre. Voilà. Allez, c'est parti. Timing. Je parle pas trop, hein. Je me concentre parce que bon, ce niveau-là, je le connais maintenant, mais. Il m'a quand même bien fait galérer. Hop. Ici, il y a un petit cadeau caché. Là. C'est parti. Et petit niveau bonus avec les deux caisses que j'arriverai pas à avoir. Voilà. Vous voyez, on a deux caisses rebondissantes. Il y en a une en bas et une en haut. Sauf que celle d'en haut, je ne sais pas du tout comment y accéder. Donc, ben, j'y accède pas. Tout simplement. Et les deux caisses qui me manquent, on verra ça à la fin, elles doivent être là, je pense. Je l'aime pas du tout. Voilà, alors là il n'y a pas les... Normalement, vous voyez là où il y a le point d'interrogation, d'exclamation, normalement il y a une pile de caisses de TNT. Et la vie que je viens de ramasser est aussi dans une caisse. Vraiment, je comprends pas pourquoi... Des fois il y a des caisses et des fois ils y sont pas. Ah.
atteindre le prochain coup. Voilà. Du premier coup sans mourir. Ah bah il me manque davantage de caisses. Ah bah oui. Là il me manque davantage de caisses. Ah non, seulement deux. C'est bizarre, je me demande si c'est un bug. Parce que vous voyez la grosse caisse récap, là où il y a la gemme qui apparaît si jamais on les a toutes. Elle m'indiquait qu'il m'a manqué genre 5 ou 6. Et là il me dit seulement 2. Alors que j'ai pas eu donc les caisses de TNT et celle où il y avait la vie. Je sais pas, ça doit être un genre de bug, peut-être. Bon, donc là, le niveau du premier coup, hein, Finger in the Nose, mais j'ai passé des heures, enfin des heures, peut-être une heure et demie dessus, hein, avant d'y arriver aussi bien. Ouais. Allez, traversons le grand hall, et on va voir pourquoi ça ne m'a pas posé de problème. Voilà, il le dit. Reviens ici quand tu auras gagné toutes les gemmes claires. Et voilà, parce qu'en fait, une gemme claire égale une plateforme. J'ai deux gemmes claires, et j'ai une, deux, et la troisième plateforme n'est pas accessible. Voilà, tout simplement. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller à la fin du niveau. Hop! C'est un poil décevant, mais bon. C'est comme ça. Et nous voilà, docteur Néocortex. Alors lui, il m'a fait un petit peu galérer. Ben, finalement, pas autant que j'aurais cru, parce que j'y suis arrivée à un moment où je m'y attendais pas. Mais il est un petit peu galère quand même. Alors j'espère que ça va pas trop mal se passer. Si ça se passe pas trop mal, du coup, l'épisode sera très très court. Mais... tant pis, on aura fini le jeu. Ah oui, du coup, j'ai oublié de vous redire. Ouais, bah je le dirai plus tard. Sois maudit et crache pour l'écoute. Donc il faut lui renvoyer les sphères vertes tout en ne se faisant pas toucher par elles. Et tout en évitant toutes les autres sphères, qu'elles soient violettes, bleues, je crois qu'il y a toutes ces couleurs-là. Il y a, ouais, vert, violet et bleu, je crois. Et on a un double à coup parce que j'ai déjà beaucoup galéré sur ce tour, donc j'ai déjà un peu d'aide. Quoi ça? Il est mal placé. J'ai plus à coup, mais lui je l'ai eu. Ah mince! Continue. Sois maudit et crache pour l'écoute. Ouais. Raté. J'avais bien le timing tout à l'heure, je connaissais tout par cœur. J'étais tellement dégoûtée que le record est foiré que j'ai perdu ma concentration. Ah! Sois maudit et crache pour l'écoute.
Et donc la musique de ce niveau est très très chouette. J'aime énormément. Le dernier coup est le plus simple, j'ai pas trop compris. Bon, je me tiens prête à faire pause. Pendant le chargement peut-être. Ou alors peut-être que j'aurai pas la cinématique de fin, je sais pas. Si. Voilà, je vais tout de suite vérifier. Non, je vérifierai à la fin, tant pis, je vous fais mon petit speech. Donc, ben déjà, je voulais vous remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je suis pas mécontente d'avoir terminé, mais comme je disais, j'ai adoré le jeu. Vraiment. Il était très dur, et c'est vrai que la difficulté, c'est pas un truc auquel je suis hyper habituée. Enfin, je veux dire, c'est pas ce que je recherche dans les jeux d'habitude. Mais il n'était pas assez dur pour me dégoûter complètement. J'ai toujours eu du plaisir à jouer. Enfin, la dernière fois j'ai ragé un peu, mais j'étais pas bien. Non, j'ai toujours eu du plaisir à jouer, toujours eu du plaisir à persévérer. Et ça a été payant parce que je suis arrivée au bout et j'en suis pas peu fière. Voilà. Alors, du coup, là, Crash Bandicoot, c'est fini. Vu que c'est Insane Trilogy, j'ai Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3. Voilà, je bafouille. Mais je vais pas les faire tout de suite, et d'ailleurs je vais pas me remettre dans un let's play tout de suite, parce que avant de jouer à Crash Bandicoot, je jouais à Darksiders 2 sur ma Wii U, et j'aimerais bien l'avancer un peu. Voilà. Tais-toi téléphone. Oui, et je peux pas recorder la Wii U, donc désolé. Voilà, je peux recorder que la PS4, parce que j'ai pas de matériel de record, donc je fais avec la fonction share, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire, vu que c'est la deuxième fois que je fais ce speech, j'espère que je vais rien oublier. Si, le prochain jeu que je ferai en let's play, ce sera pas forcément un Crash Bandicoot. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un petit sondage dans cette vidéo. Vous savez, les sondages qui sont accessibles avec la fonction, enfin le petit i là, en haut à droite de l'image. Donc vous pourrez cliquer là-dessus. Et vous trouverez donc un sondage avec les différents jeux qui me sont possibles de faire sur PS4, voilà, des jeux que j'ai sur PS4, pour que vous me donniez votre avis, voilà, sur celui qui vous intéresserait le plus de voir. La deuxième information que je voulais donner en début d'épisode et que j'ai complètement oublié, mais bon, c'est peut-être pas trop tard, je sais pas, c'est que j'ai changé de casque. Enfin non, j'ai un casque, j'ai plus d'oreillettes, donc je ne perds plus mes oreilles. C'est génial. Du coup, j'ai un nouveau micro et j'espère que le son est bon. Je pense pas qu'il soit pire qu'avec les oreillettes parce qu'il était pas terrible. Mais j'espère qu'il est bon quand même. Je verrai bien ça. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le casque, sur quoi que ce soit, parce que c'était quand même mon premier let's play. Donc,
clairement, il y avait des trucs à améliorer. Je pense que petit à petit, au fil des vidéos, ça allait de mieux en mieux, j'espère. Enfin bon, n'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils ou quoi que ce soit. Bon, sur ce, je vous remercie encore une fois d'être parvenu jusqu'ici et je vous dis à la prochaine fois, peu importe quand ce sera. Bye bye!